Salut à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de Pokémon Quest. Donc voilà, dans le dernier épisode, on avait essayé d'avancer un petit peu, mais on n'avait pas trop réussi à avancer, hein, puisque c'est de plus en plus difficile. Bon, maintenant, on va quand même essayer de gagner encore un petit peu d'expérience pour pouvoir faire ce niveau-là, qui est 2700 quand même seulement, et 2800, normalement ça devrait être faisable. Vu qu'on est à 3157, donc j'ai envie de dire, allons-y, on le teste, on le tente, 2700, ça devra aller. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces bleus pour cette vidéo, ça serait vraiment génial. Je vous en remercie d'avance, ça serait plutôt cool de battre un petit record de pouces bleus sur cette vidéo, pourquoi pas. Allez, soyons fous, atteignons les 25, 30, 30, 30 pouces bleus pour cette vidéo, ça serait vraiment génial. Je vous en remercie d'avance. N'hésitez pas à me mettre plein de commentaires aussi. Je baisse un petit peu le son dans mon casque parce que là, ça va un petit peu trop fort. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous appréciez toujours cette vidéo, si vous l'avez fini ou presque terminé, je ne sais pas. Mais voilà, je pense que ce jeu c'est pas très compliqué, hein. On avance très vite, hein. Quoique là ça avance un petit peu moins vite, hein. Depuis les deux derniers épisodes là, voilà, les Pokémon sont un petit peu plus compliqués, mais ça va encore, c'est pas la panacée on va dire. Bon, Evoli il a déjà pris cher, hein. Ah ouais, non là... Ça va être chaud quand même. Ça va être très chaud. Très chaud. Allez, il faut franchement y aller là. On envoie du lourd. Hop, on dégage tout ça. Allez, vas-y, prions. Dégage-moi. Boum. Ok, ça c'est fait. Il est chaud, hein. C'est fini. Il est très chaud. Et voilà. Il est déjà... mon petit Evoli est déjà mort. Non. Bon, allez. Porygon, vas-y, attaque, s'il te plaît. Il est fort. Hein. Il est costaud, ce Feneur. J'ai l'impression qu'on va y arriver. C'est Evoli. Reviens, là. Allez, petit Evoli, reviens. Donne le coup de grâce. Allez, non, s'il te plaît. S'il te plaît. Et c'est... Oh ben non, Porygon, on a même pas eu le temps de faire son attaque. Et on a réussi, niveau terminé. Enfin. Ah. Qu'est-ce que j'ai gagné? Oh, une gemme endurance de 173. Ça, c'est bien. Je pense qu'on va la mettre à Evoli. On va aller voir ça tout de suite. Bon. Ah, prochaine étape, 3000. Ouais, ça va être un petit peu plus chaud. On va faire le 2800 après. Bon, Evoli, est-ce que je peux te mettre la gemme de... qu'on vient de gagner? Elle est où? 173. Oui. Clairement, oui. Ça, c'est bon. 462 PV. Ouais. Alors, Talmorph. J'ai du 127 ici et du 144. 144, je pourrais lui mettre. Voilà. Donc il a un petit peu plus de vie. Ouais, il a pas mal, hein, 523. C'est cool. C'est très cool. Ici, est-ce que je peux modifier quelque chose? Non. Et je peux rien lui mettre de plus. Hein. Je ne peux rien lui mettre de plus. Bon, bah écoutez, on va essayer le 2800. Alors, on m'a dit d'essayer de mettre dans l'espèce de casserole, là, pour cuisiner, mettre 5 trucs rouges. Je ne sais pas ce que c'est le truc rouge. Mais on va essayer. On va essayer ça. Quand le plat que j'ai cuisiné sera terminé, bien sûr. Bon, Talmorph, en action. Boum! Ça c'est fait. Hop, ça c'est fait. Ouais, ils sont pas très compliqués. Hein. Les Technos Feraptil. Boum! On les envoie balader, et là aussi.
Il faut y penser. Qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce qu'il fait? Là, tout seul, dans le haut, là. Bon, allez, t'as une morve. Vas-y, écrase-les tous. Boum. Ok. Bon, ben là, on est plutôt bon. Là, on est vraiment très très bon, puisque on a encore quasiment rien perdu en ligne. Vas-y, Porygon, tu peux le faire. Allez, t'as de mort. Boum. Oh, Evoli, il perd quand même un petit peu moins que là tout à l'heure. Un petit peu moins. Bon, deuxième phase de terminer. Maintenant, la troisième. J'espère franchement que vous appréciez encore ce petit let's play. En tout cas, les personnes qui regardent, hein, puisque vous n'êtes pas très très nombreux à le suivre. Non, vous n'êtes pas très nombreux à le suivre. Ce n'est pas grave du tout, parce que moi j'apprécie énormément ce petit jeu. C'est très très cool. En attendant de se faire un petit let's play sur Pokémon Let's Go Evoli et Pokémon Let's Go Pikachu. Allez, Porygon, tiens. Voilà, fin de l'assaut, c'est terminé. Et nous avons quoi? Un os Feralto? Ben, allez, allons-y. Soyons fous, attaquons-le. Alors, Porygon qui va nous faire une belle attaque, là. C'est fait. Tanmore aussi. Hop. Je pense que là, ça va être bon. Boum. Boum. Allez, on dégage tout le monde. Et... Oula. Il s'en va, là. Viens ici. Allez, Tanmore. Boum. Écrabouille-le. Ça, c'est fait. Et une belle attaque de Porygon. Ah, ça lui fait pas grand-chose, là. Oh. C'est déjà fini? Mais... Ah, trop facile! Pourquoi la dernière fois j'y suis pas arrivé? Pourtant j'ai rien changé. À part à mettre une gemme de PV en plus, j'ai rien fait de plus. Ouh, gemme puissance 284 et 273 pour les PV. Ça c'est bien, c'est très très bien. 3300 maintenant. Ouais. Ouais, mais bon, on a 3195, ça devrait être possible. Bon, on va voir. Est-ce que je peux encore améliorer Evoli? 174, 173. Écoutez, on va voir si je peux pas mettre ça à... Qu'est-ce que Porygon a ici? Ah ouais. Le 173, on va améliorer Porygon aujourd'hui. Voilà, c'est bon. On va faire un petit recyclage parce que ça, j'en ai plus besoin. Et ça, j'en ai plus besoin. Voilà. Hop. 4. Recyclage de 4. Oui, je fermais. Ok, c'est parfait. Bon. Ben là, c'est bien. Là, c'est très très bien. Qu'est-ce que ça nous dit? On est à 3273. Bon. On essaye le prochain, là. À 3300. Ça devrait le faire, je pense. Allez. Allons-y. On va commencer par quoi? Hop. Allez, petit tas de morts, là. Boum. On nous éclate tout ça. C'est bon. Hop là. Terminé. Ciao. Allez, ton morve, vas-y, boum, c'est normal. Ouais, ah ouais, carrément. Très bien ça. Boum, on en a éjecté un. Allez, ton morve. Ouais. Très bien ça. Boum. Ok, pour l'instant, facile, la première phase. La deuxième arrive maintenant. Mais, je crains que ça soit un petit peu plus compliqué. Voilà. Et là, boum! On les envoie balader.
Et t'as le morph qui a été complètement éjecté. Boudé. On l'éjecte. Toi, tu dégages. Evelyn, vas-y. Vas-y, Porygon. C'est bon. Et Evelyn qui nous termine le tout. Et c'est bon. Voilà. Ah! Un galopa avec des petits panitas. Bon, ben. Ok, c'est parti. Et Porygon en action. Boum. Allez. Ça fait mal. Ah là là. Tanmore est déjà. Oh non. Oh non. Eh ouais, c'est foutu. Abandonné. Oui, j'abandonne. Je veux pas récupérer les trucs. Non, ça coûte trop cher, la 10. Clairement. Ça n'a pas fonctionné. Dommage. Bon. Qu'est-ce qui se passe sur notre base? Est-ce que le petit plat est terminé? Est-ce qu'on peut pas récupérer des Pokémon? Non, on est à 4 sur 5. Bon, par contre, les objectifs, je peux aller en valider. Ah, ce n'est que des secondaires, tiens. Bon. Ah, c'est ça qui me disait, les grosses racines. À mon avis, ça doit être ça. Mettre 5 grosses racines à cuire. Peut-être que ça va faire venir un beau gros Pokémon. Je ne sais pas. J'en ai aucune idée. Bon, j'ai peut-être pas les bons Pokémon pour. Il me faudrait peut-être des Pokémon haut pour arriver à battre ces Ponyta. Ouais, peut-être. Peut-être, je sais pas en fait. Écoutez, on va se faire encore un petit. On va se faire un 2400 là. Et puis après, on retournera faire le 3000. Voilà, un petit échauffement, on va voir comment ça va se passer. Mais a priori, ça serait peut-être plus facile avec des Pokémon de type O. Ouais, là j'ai clairement mis mon attaque là où il fallait pas. C'est pas grave. Allez, Tanmorv, boum! Ouais, il fait mal, hein. Il les a presque tous chopés en une fois. Boum! Evoli, par contre, là, c'est pas terrible ces attaques. Mais Tanmorv et Porygon, là, ils ont des super bonnes attaques. Il faudrait peut-être que j'essaye Bélier, tiens. Ça fait ça. Boum! Ouais. Bof, en fait. Terrible. Et là, nous avons quoi? C'est quoi? Ah non, mais qu'est-ce que je fais? Enfin. Ouais, bon, ça va. On s'en sort plutôt pas trop mal. Bon, maintenant, phase finale. Avec un Machopper. Machopper. Bon, allez, Porygon, vas-y. Fais péter tout ça. Ouais, ça c'est bon ça. Bon, allez. Ouais, ça va. C'est facile. Pardon. Et ben voilà, ah, une gemme de PV supplémentaire. Et c'est quoi 144, ouais, ça va. Ça pourrait être mieux, mais ça va. Bon, maintenant, on va retourner à la base, puisque le petit plat est terminé. Et on va découvrir ce que c'est et ce que ça va attirer comme Pokémon. Bon, j'espère avoir quelque chose de bien, quelque chose de fort. Ouais, bon. Smoglo, ça va. Niveau 16. Ouais, il est pas mal. Franchement, il est pas mal du tout.
Est-ce que je remplacerai Tanmov? Est-ce que je remplacerai Tanmov? Attendez. Attendez, attendez, attendez. Attendez. Si j'enlève tout ça, ça fait quoi? 237, 176. On va voir. Donc, j'ai tout enlevé et si je mets. Il est où? Il est où? Il est où? Il est où? C'est lui là? Non, c'est pas Abo. Tanmor, non. Tanmor, non. Ah, décidément. Aspico, non, je m'en fous d'Aspico. Il est où? Ah, il est là. Il est là. Smogo. Smogo. 242 et 159. Ah ouais, mais. Et celui-là, il est mieux encore. Attendez. Non, ça c'est moins bien, ça c'est moins bien. Ça c'est moins bien, ça c'est moins bien. Oula, 230 et 156. Paras. 218, 184. Bah tiens, je pourrais bien essayer ça, tiens. Ouais, on va essayer ça. Ouais, je pense que ça devrait être pas mal, ça. Ouais, on va aller améliorer ses petites statistiques. Bon, avant ça, je vais essayer. C'était ça? Alors, on va essayer ça. Je me souviens plus de qui m'a dit ça. Tiens, j'en ai que. Comment ça se fait? Quoi? C'est 3 à chaque fois? Quantité d'ingrédients? 3? Ah ouais, non. Non, non, non. Par contre. Si je fais ça. Avec les bleus. On va essayer avec les bleus. Parce que les rouges, j'en ai pas assez. Hop. Hop. Ah, c'est très embêtant, hein. Ça serait tellement plus facile avec le tactile. Bon, cuisiner. Oui. Qu'est-ce que ça va me faire? Ouh, 0 sur 6. Ah là, c'est chaud. C'est très très chaud. Bon, Ponita. On va t'améliorer, toi. On va t'améliorer. On va te mettre ça. Et on va te mettre ça. Et puis on va te mettre aussi ça. Ouh là là, il va avoir énormément de vie. Ah ouais. Ouah, 614 de vie. C'est fou ça. Ça c'est fou. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Par contre, ça c'était quoi? Durée de réanimation, moins 10%. Dégâts critiques, plus 6. Je mettrais bien 138 à la place de 125. Non, 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 on va laisser comme ça. C'est pas mal. Et est-ce que j'ai amélioré? Je suis à 3270. Ça, c'est bien. Bon, allez. Fini les bavardages et on va aller se faire le 3000. Hein. Bah oui, il faut le tenter. Il faut le tenter, le 3000. Normalement, ça devrait passer puisque je suis à 3200, un peu plus de 3200. Bon, on va voir ça. Nitrocharge et écrasement. On va tester tout de suite. On va tester tout de suite pour voir ce que ça donne. Ouais, ça va. Ça va. C'est pas trop mal. C'est pas trop mal du tout. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Boum, il dégage tout ça. Ouais. Bon, pour raison, là, il a encore rien fait. Il va descendre un peu. Ça, c'est bon. Alors, écrasement, encore une fois. Boum.
Et je vais essayer la nitrocharge juste après. On va voir si ça fonctionne bien. Nitrocharge. Quoi ? J'ai pas trop l'impression que c'est une attaque de ouf, quoi. Attendez. On va réessayer. Ouais, non. Nitrocharge, pour moi, ça vaut pas le coup. Par contre, ça, écrasement, ouais. Clairement, c'est pas trop mal. Allez, nous sommes à la troisième phase. Et on va essayer de... Oh là là, c'est quoi ça? Hop là! Oh, c'est chaud, ça va être pas très chaud. Ah bah ça va. On se débrouille là pour l'instant, on se débrouille. Allez, Corrigan fait son petit truc là. Hop, allez, Corrigan, vas-y, encore une fois. Boum. Ah, bah c'est mon Ponyta qui est mort là. C'est quoi ça? Allez, Corrigan, vas-y, termine-moi le truc. C'est bon, ça y est. Bon, ça va, ça a été. Malgré que Evoli et Ponyta sont morts, mais ça va. On a quand même réussi à se le faire, celui-là. Bon, très bien. Ouh, gemme endurance de 188. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est une très très bonne gemme. À qui on va la mettre? Ben, je pense que je vais la mettre à... Je ne sais pas à qui je vais la mettre, en fait. Je pense que je vais la mettre à Evoli. On va voir. Elle est où? Elle est là, 188. Oh, et en plus, durée de réanimation, moins 10.4, coup critique, plus 8.6, récupération auto-DPF, plus 18. Ah ouais. Voilà. Ok, celle-là est parfaite. Par contre, le 172 que je viens d'enlever, je peux peut-être me mettre à... Bah oui, un Ponyta, clairement. Voilà. Et là, 642. Parfait. Bon, eh bien voilà, je suis à 0 sur 5. Je ne peux plus avancer. Je peux juste aller dans les objectifs, encore une fois, là. Hop, objectif. Et. Encore un objectif secondaire. Objectif combat. Vaincre 50 Pokémon de type combat. Voilà. Eh bien voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Moi, je trouve ça plutôt cool de se retrouver sur un petit let's play comme ça, tout sympathique, tout simple. Moi, j'aime beaucoup ce petit jeu Pokémon, comme le petit jeu gratuit de l'époque Pokémon Rumble World. Je l'ai jamais fait en let's play d'ailleurs. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse un petit let's play Pokémon Rumble. Ça serait plutôt cool de se refaire ça, même si ce Pokémon date déjà un petit peu, hein. Mais voilà, ça pourrait être cool de se refaire un autre Pokémon, ou même si vous voulez que je vous fasse un let's play de Pokémon normal, hein. Par exemple Soleil et Lune, le tout dernier. Je l'ai pas fait. D'ailleurs, j'y ai même pas joué encore. Mais si vous voulez que je vous le fasse, ben pourquoi pas, ça pourrait être sympa. Mais il va y avoir le nouveau Pokémon sur la Nintendo Switch, hein. Donc voilà, il va y avoir du Pokémon sur la chaîne très très bientôt. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié, et si vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à mettre plein de commentaires. Faites péter le compteur des pouces bleus cette fois-ci, ce sera vraiment génial. Et partagez la vidéo, ça serait vraiment génial, voilà, je dis beaucoup de fois génial, beaucoup de trop à mon avis, mais voilà, c'est comme ça, c'est parce que je trouve ce jeu génial, tout simplement. Qu'est-ce que ça va être quand Pokémon Let's Go Pikachu et Pokémon Let's Go Evoli va sortir? Ça va être monumental, voilà. Eh bien, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, on se retrouve demain en vidéo ou en live.
Je ne sais pas encore. Voilà. Allez, à bientôt tout le monde. Ciao, ciao!